Bonjour à tous, c'est Samosa. Comment allez-vous aujourd'hui? En tout cas, moi, ça va super. J'ai lu dans les commentaires récemment que vous aviez beaucoup aimé la grosse ouverture Star étincelante que l'on avait fait ensemble sur la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour mettre le lien dans la description au cas où vous n'aviez pas eu l'opportunité de la regarder. Et je me suis dit que aujourd'hui, on allait encore une nouvelle fois se rassembler pour une grosse ouverture parce que vous aimez ça et moi je vais pas le cacher, j'adore également. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'ouvrir 12 boosters, Star étincelante en loose, que j'ai trouvé chez un marchand de journaux, et on va voir ce que ça peut donner. Il y a, il me semble, 2 art sets et 4 boosters en plus. Donc on va bien voir si j'ai autant de chance que la dernière fois, ou si malheureusement, eh bien je me suis pris une douille. Donc écoutez, on perd pas plus de temps, et on passe pour la grosse ouverture Star étincelante maintenant. Eh bien écoutez, donc voici les 12 boosters, juste histoire de les organiser un peu. Nous avons donc, là c'est un double et c'est un double, mais autrement, nous avons donc, hop et hop, on a donc comme prévu 4 Arceus et 4 boosters en plus. D'ailleurs c'est 2 Arceus et 2 Farfadet UV. Donc écoutez, comme d'habitude, on commence par les petits boosters en plus et après on s'attaque à l'art 7. Aux art 7 d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc écoutez, je suis assez impatient franchement, parce que je les ai depuis quelques jours seulement, mais rien que de les voir sur mon bureau là, à m'appeler, c'était assez dur de résister. Donc on va commencer par les Arceus pour changer, parce que j'avoue, à chaque fois, j'ouvre les Farfadet UV et c'est pas cool pour ce Pokémon. Donc pour changer, j'ai décidé de prendre les Arceus au début. Donc 1, 2, 3, 4. Énergie Psy. Karmash. Boscara. René. Et il me semble que lui, je ne l'avais pas en plus. Lixi. Kenotor. Electek. Brutalibré. Mustéboué, en reverse, oh Mélodelph, très beau en reverse franchement, et enfin, Luxray que je n'avais pas, franchement, bien stylé. Hop, on continue par un autre booster Arceus, non pas que l'illustration garantit un bon taux de drop, mais bon. J'aime bien toujours classer les boosters par illustration. 1, 2, 3, 4. La petite carte V-Star. Hop. Kaorin. Noix de coco. Gant de chasse. Shinchidou. Balbuto. Oups, désolé. Stalgamin. Stalgamin, désolé. Tarinor. Crémy, en reverse, Karmash, et enfin, oh, petite carte V, il me semble, Morpeko. Morpeko V. Petite carte ultra rare pour commencer, pas mal. Je vais la sliver. Hop. Ça fait toujours plaisir, hein, les cartes V, franchement, hop, et je mets ça là. On va s'attaquer maintenant au Farfadet UV. Hop, hop. D'ailleurs, j'en profite, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous souhaitez les cartes à code, parce que comme je l'avais dit, c'est vrai que je l'ai pas, je le répète pas assez souvent, mais je garde mes cartes à code pour permettre aux personnes qui me soutient à chaque vidéo et sur ma chaîne YouTube de pouvoir en bénéficier. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta pour m'en demander et je vais faire de mon mieux pour vous en donner. C'est vrai que 1, 2, 3, 4, désolé, je parle un petit peu trop. C'est vrai que j'essaie d'en donner à chacun de vous, d'entre vous. Mais bon, j'en ai pas tant que ça, à chaque fois, à chaque vidéo j'en donne,
Mais n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est une raison de plus pour vous abonner à mon compte Instagram que je mets aussi en description. Comme ça, au moins, on peut parler. Et si j'ai des petites cartes à code en plus, je peux vous les donner. Donc, on reprend. Énergie électrique. Prémonition de Margie. Ou Margie, je ne sais jamais. Margie, il me semble. Oui, Margie. Je bug beaucoup. Ami de Galard. Tarinorm, Shuniti, Starry, oups, Karabank, évidemment mon meilleur ami, Mélofée, Seribou, oh, une gold. Normalement c'est une TG, est-ce que c'est une TG gold? Oh, Chifo, point final VMAX en TG gold. Oh, ouais, lui, je m'y attendais pas. Et derrière, on a Boreas. Ouais, là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle est trop belle. Elle brille partout, elle est trop belle. Bah, pour l'instant, très satisfait. Franchement, rien à dire de cette ouverture. Elle est top pour l'instant. Et on s'attaque au dernier booster avant de commencer les art sets. Comme quoi, Farfetch'd UV, hein, pas si mal. 1, 2, 3, 4. Énergie électrique. Gloria. Étourvol. René. Caraclé, il me semble que je me suis spoil, il y a quelques petits, un petit truc au tout du moins. Seribou, Riolu, Étourmi, Spiritomb, Henri Vert, Mustéflotte, enfin. Ah, celui-là, il m'a tué, c'est un truc de fou, j'arrivais jamais à le paquer. Alors là, ça fait plaisir. En plus, il est trop stylé. Ah, ça fait plaisir. Et enfin... Ah, je crois que c'est une carte V. Luminéon V. La carte, je crois que c'est alternative de Luminéon. Elle est trop belle. Genre, il est dans l'océan, ou on va dire sous la mer, évidemment. Dans la mer, en plus. C'est un poisson, donc en fait, Samosa, il est... Hop, et je le mets là. On va s'attaquer maintenant aux art sets avec Arceus. Ah, et désolé, ça, hop, je vais garder quand même ça. Et je vais placer ça ici. 1, 2, 3, 4. Énergie Psy, Capoeira, Bassin de Magma, Colomar, Shuniti, Starry, Karabang, il est dans chaque booster, hein, comme d'hab, Mélofée, Seribou, Enriverse, ah, Bassin de Magma, que j'ai également eu dans le même booster, pourquoi pas. Et enfin, Pangoléon en holo. Je me rappelle plus trop si je l'avais. Il me semble que oui, je l'avais déjà. On va quand même le sleeve parce que ça reste une carte holo. Que l'on va placer là. On continue avec un booster Farfetch'd UV. Une, deux, trois, quatre. Énergie combat. Charthor. Énergie double turbo. Tarinorm.
Starry, Riolu, Etourmi, Crémy, Carabin, Casque Marmite en reverse, et enfin, ah, une autre V peut-être, Raichu V, que j'avais déjà, il me semble. Mais je ne dis jamais non à un Raichu, parce que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et surtout, ça reste une ultra rare, évidemment. Hop. Ça me fait pour l'instant 3 V, une TG et une holo. Une TG Gold, qui plus est. Hop. Petit Shaymin. Une, deux, trois, quatre. Énergie feu, ceinture choix, Luxio, désolé, Capoeira, Polarum, Deden, Canartichaud, Skelenox, Tadmorve, oh, Chenicelle, en rare que je n'avais pas. Elle est trop stylée. Et enfin, Manaphy, en rare. Ah, je suis trop content. On va la placer là, parce qu'en plus, c'est une rare reverse. Trop stylé. Vraiment très content. Hop. Le petit Dracaufeu, qui est le dernier booster du premier art set. Une, deux, trois, quatre. Donc, on va placer ça là. Désolé. Hop, je rectifie. Carmash, Gloria, Étourvol, Mélofée, Ceribou, Caraclé, Écrapince, Gringolem, Pachmia en reverse que je n'avais pas. Décidément, beaucoup de cartes que je n'avais pas. Et enfin, Libégon en rare. Celle-là, par contre, c'est une peu commune. Donc, on va la placer quand même en peu commune. Bon, ça, je vais faire un petit peu de place, hein, comme d'hab, pour permettre de les étaler comme ceci. Hop. On attaque maintenant le deuxième arc set. Hop, avec l'Arceus. Une, deux, trois, quatre. Énergie éclair. René. Clic. Chartor. Eoko. Whisticram. La dernière carte commune qu'il me manquait. Oh là 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 là. Alors lui m'en a fait baver. On va placer ça ici. Chinchidou. Balbuto. Stalgama. En reverse. Electek. Et enfin, Electable. Ah, stylé. Surtout son évolution. Franchement, très, très stylé. Très 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 stylé. Hop. Bon, je commence à avoir très peu de place, donc on va évidemment rechanger les choses. Hop. Hop. Et hop. Je pense que là, ça permet de libérer pas mal de place. Petit booster Shaymin. Une, deux, trois, quatre. Énergie feu. Casque marmite. Cryptéro. Fourbelin. Spiritombe. Ah, désolé, le petit coup de caméra habituel. Coupe-note. Grimalin. Et un recoup dans la caméra, je suis vraiment désolé.
Magmar, Riolu, on reverse le bon vieux tas de morve, et enfin, Lance-argot en rare. Hop. On s'attaque maintenant au farfait du V. Oups, j'ai un peu raté mon ouverture. Alors. Une, deux, trois, quatre. Énergie feu. Capoeira, bassin de magma, colomar, tas de morve, farfuré, hop, kenotor, électèque, eoko, en reverse, chartor, et enfin, simiabrase, que je n'avais pas en holo. Et franchement, là, pas mal, hein? Pas mal, pas mal, hein? Vraiment top cette ouverture. Évidemment, je vais le sliver tout de suite. Hop. Ce qui est drôle, c'est que Wistikram et le Pokémon Starter, Simiabrase, évidemment, la dernière évolution. Franchement, bien stylé, hein? Et en plus, j'ai eu les deux. Les deux dernières évolutions des deux starters. Bien drôle. Franchement, je trouve ça assez drôle. Et enfin, dernier booster, le Dracaufeu. Est-ce que l'exploit va être réalisé? Est-ce que la petite alternative va tomber? On aimerait, hein, évidemment. 3, 4. Énergie combat, Hyper Ball, Tropius, Fourbelin, Caraclé, Écrapince, Gringolem, Eoko. Oh, je passe trop de temps à essayer de le trouver et maintenant il tombe en boucle. Hop, Wistikram en commune. En reverse, nous avons Chunity, et enfin, oh, alors ça, ça peut être soit une V-Star, soit une dresseur, non? Oh, Lumineon, Full Art. On parlait de Lumineon, certes j'aurais aimé une alternative, mais elle est trop belle. Franchement, les couleurs, etc., j'adore. Hop. Et on va, hop, sliver cette carte. Trop, trop belle. Et bah, en théorie, c'est comme ça. Donc, écoutez, un petit récapitulatif. Perso, je n'avais pas Wistikram en commune. Luxray, Chenicel et Mustéflotte en rare, que je n'avais pas. Pachmila et René en peu commune, que je n'avais pas également. Ensuite, Simiabrase et Pangoléon en holo. Nous avons eu également 3 V. Raichu, Lumineon et Morpeko V. Le petit Lumineon V Full Art, qui est trop beau. Franchement, j'adore. Et enfin, le petit Chifour Point Final VMAX en TG Gold. Et qui brille de partout. C'est trop beau. Regardez tout ça. Trop beau. Franchement, trop trop beau et je suis trop trop content.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré partager cette ouverture avec vous. C'est vrai que les grosses ouvertures, avant j'avais un peu peur d'en faire sur ma chaîne. Mais maintenant que je sais que vous adorez ça, let's go, on peut tous ensemble s'amuser avec ce genre de grosses ouvertures. J'ai quand même eu pas mal de cartes. Des cartes que je n'avais pas, donc l'idéal pour compléter ma collection. Mais également de très belles cartes tout court. Comme par exemple le Lumineon V Full Art, avec ses couleurs en arrière-plan qui sont dingues. Franchement, ça me rappelle la Arceus V Full Art, trop belle. Et la carte TG Gold, chiffre point final VMAX. Et franchement, trop belle. Comme vous voyez, elle brille de partout, etc. C'est franchement trop bien. Donc écoutez, si cette grosse ouverture vous a plu et vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me commenter quelles sont les cartes que vous avez réussi à packer depuis la dernière fois. Mais également, si vous voulez une autre grosse ouverture star étincelante, donc n'hésitez pas à me partager vos retours en commentaire. Comme vous le savez, vos retours sont très importants pour moi, donc lâchez-vous en commentaire. Et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Parce que je vois qu'on est de plus en plus, ça me rend vraiment trop heureux. Et j'aimerais bien que la chaîne continue de grandir et de rassembler autant de monde et plus de monde si possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En plus, vous n'allez louper aucune de mes dernières vidéos qui sortent. Donc écoutez, comme toujours, portez-vous bien et prenez soin de vous s'il vous plaît. Parce que vous êtes l'important pour moi quand même. Donc prenez soin de vous. Et c'était votre Samosa. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo et portez-vous bien.